pense personne n'a posé la question, mais en ce moment, j'ai plus d'agence. Hein, est-ce que j'ai commencé déjà à planifier ma saison d'Halloween? Parce qu'au début, ça se peut que chaque personne, comme je dis, fait plus d'efforts. Fait que là, il peut avoir genre des cadeaux, de l'attention physique, si, ça, là, tous les langages. Allô, ma belle. T'aimes-tu mon maquillage? Je suis un petit lion en ce moment. Je suis ta cousine lointaine. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. C'est rare que je suis chicks de même, surtout ici, sur ma chaîne de vlog. Mais j'ai juste de filmer un petit reel le matin, tu sais ma série là, que je fais les maquillages de signes astrologiques. On est rendu à Lyon, il m'en reste genre 2 ou 3, je pense, 3 max après pour avoir conclu l'année entière. Mais après-midi, j'avais envie de faire des DIY avec vous. Ça fait full longtemps que j'en ai pas fait, je fais ça plus l'hiver habituellement, là, quand je suis comme coincée en dedans. Puis que j'alterne les passe-temps genre entre lecture, dessin, puis bricolage, d'affaires de même. Je sais que vous aviez bien aimé ça les autres fois, mais là j'ai pensé que je pourrais faire une FAQ en même temps, tu sais, comme pour joindre l'utile à l'agréable. Fait que je vais répondre à vos questions dans ce vlog-ci. C'est pas mal ça qui va se passer. Je voulais vraiment juste prendre mon après-midi pour avancer, c'est ça, des petits projets, des petits trucs que ça fait longtemps que je reporte, et créer un peu, tu sais, juste, ouais, laisser libre cours à mon imagination, quoi. Fait que si ça vous intéresse, stay tuned! Bon, fait que je suis toute installée. En fait, l'idée m'était venue parce que j'ai beaucoup enregistré cet été des DIY sur mon compte Jardin Rêverie, là, sur Instagram. Il y en a beaucoup d'entre vous, en fait, qui m'en ont envoyé aussi, mais toutes des affaires avec des fleurs pressées. Tu sais, moi, j'en ai une bonne collection, là, avec toutes mes fleurs en fin de saison ou pendant, tu sais, comme celles qui tombent à terre, tout ça. Ben, ça, j'ai presse, puis ça fait des beaux souvenirs de un, des cadeaux très personnalisés de deux. Tu sais, moi, il y a des amis, je leur ai fait toutes des belles cartes avec ça, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment le fun pour vrai, puis il y a vraiment mille affaires qu'on peut faire avec ça. Pas juste des cartes comme j'avais expérimenté. Check, il y en a qui se font des autocollants de même. Ça prend juste du tape. Hein, je vous montre des idées un peu là, pour m'inspirer en même temps, puis vous montrer ben, vers où ce qu'on s'en va. Puis, je trouve ça tellement cute, l'idée des collants. Ah oui, ça, faut absolument qu'on essaye là, aujourd'hui ou demain, mais ça a l'air qu'en martelant avec un marteau des fleurs, ça a l'air que ça transfère hyper bien sur du papier ou des vêtements. Souvent, j'ai vu des gens qui m'ont envoyé comme des bouts de tissu. J'ai jamais pensé faire ça. Je savais pas que c'était faisable. Puis là, ben, c'est ça. J'avais trop d'idées comme ça, là, de mis de côté, fait qu'on va s'amuser avec même des vitraux, des affaires même, avec juste du mode pot, genre, pis des fleurs séchées, c'est trop beau. Coque de téléphone, on peut tout faire. Petite broderie de même aussi, c'est vraiment cute. Maintenant que j'ai le kit, je pourrais faire ça, je pourrais m'essayer. Mais je sais pas sur quoi. J'ai un sac de même, j'avais acheté chez genre, comment ça s'appelle? Michael's, il y a longtemps, mais j'ai vu qu'il est tout sale l'autre bord, je sais pas pourquoi, il traînait dans mon sous-sol depuis longtemps dans la section artisanat. Fait que je pense que je vais le laver puis ça, faire peut-être de quoi avec ça demain, soit broder. Mais ça, c'est un gros projet par contre, là. Mais en tout cas, soit ça ou faire les marteaux avec les fleurs. En tout cas, je suis vraiment excitée pour vrai. J'espère que vous aussi. Fait que je vais aller chercher vos questions sur Insta en attendant. Puis je pense que je vais me lancer comme premier petit projet celui-là, là, en acrylique. Voyez-vous, mettons ce que je fais? Ouais, un petit peu. Parce sinon, ça me prendrait comme 2 caméras, une sur moi qui répond aux questions, puis une sur la table, là, ce qui est pas très évident à faire. Fait que c'est parti, on y va bien spontanément. Je vais aller chercher tout ça. Bon, il y a des questions qui reviennent tout le temps, évidemment, là, je vais essayer de skipper un peu, là, comme la question « est-ce qu'on veut un autre chat? » Ça revient toujours, 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 mais comme j'ai dit plusieurs fois, non, c'est pas prévu pour l'instant, là. Pas qu'on aimerait pas, mais justement pour Lily, je pense qu'elle a préféré pas d'autre chat. Ouais. Aimerais-tu faire du body painting? J'en ai déjà fait par le passé, quand j'étais maquilleuse, ouais. Mais j'étais encore maquilleuse, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ah, ça c'est une bonne question, je pense que ça pourrait être un vlog à part entière. Question couple, c'est rare que vous m'en posez, je pense, parce que vous connaissez pas trop ma dynamique de couple, voyant pas Pat au quotidien. Mais je vais pas, je vais répondre à elle tout de suite pendant qu'il est pas là, pendant qu'il est encore à job. La question de les meals prep veggies, c'est ta relation de couple mature, pas forcément des choses intimes, mais des conseils sur le long terme. Écoutez, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai qu'il y a des défis quand on est un couple de longue date. Là, ça fait comme 12 ans à peu près qu'on est ensemble, puis ben, c'est ma plus longue relation, mais moi, je suis une fille qui a juste eu des longues relations, genre tout le temps, minimum, je sais pas, 2 ans, 3 ans, là, tout le temps. Fait qu'il y a des hauts et des bas, puis je pense que je me suis enlevé cette pression-là, là, justement, du couple parfait, parce que je réalise autour de moi qu'il y en a pas de couple parfait, là, tu sais. Des fois, tu te compares parce que tu vois des plus récents couples, par exemple, puis tu te dis, oh mon Dieu, ils ont l'air bien plus en amour que nous, mais c'est vrai que des fois, je pense qu'une relation amoureuse, ça peut évoluer vers quelque chose d'autre aussi. Ou je vois ça personnellement, aujourd'hui, à 31 ans, plus quasiment comme un partenaire de vie. Puis là, je sais pas si j'ai l'air vraiment de l'amour en disant ça, là. Ou c'est juste, effectivement, le couple qui a maturé. Mais,
tu sais, il y a beaucoup de gens qui croient pas à la passion à long terme, des choses comme ça. Moi, je sais qu'on a des moments de passion et de complicité qui reviennent ponctuellement, mais c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on est un par-dessus l'autre, là, qu'on est super collé, puis comme qu'on se sent full amoureux. Tu sais, c'est sûr qu'en maison, puis tout ça, la routine en embarque aussi, mais ça, c'est, je pense que c'est là qu'il faut faire attention, en fait. Quelque chose que je faisais pas nécessairement consciemment, mettons, il y a, je sais pas, là, 5 ans, 6 ans, c'était de faire des dates, tu sais, de faire des sorties, en fait, des choses qui nous sortent vraiment plus de notre zone de confort. C'est pas quelque chose qu'on faisait gros, tu sais, on faisait plus des activités avec nos amis, nos familles, tu sais, mélangées ou pas. Mais nous deux, vu qu'on, tu sais, qu'on se voyait comme suffisamment à la maison, c'est comme si on faisait pas grand sorties ou beaucoup de voyages par année, des choses comme ça. Mais je le vois, l'impact, tu sais, c'est les spécialistes de couple qui disent ça, là, c'est pas moi, là, mais briser la routine, c'est la meilleure façon de ranimer la flamme et des choses comme ça, fait que... Sinon, à part accepter que les choses changent, puis aussi comprendre que c'est ça, parce qu'il y a comme la passion du début, des choses que soit moi ou soit lui on faisait au tout début qu'on fait plus nécessairement là, je pense que comprendre aussi les langages de l'amour. Ça, c'est quelque chose de... Comme je dis, ça peut être un vlog à part entière, là, je vais couper ça court bientôt, mais c'est que c'est à long terme, dans le fond, que je trouve que tu le vois, ça, les langages de l'amour, parce qu'au début, ça se peut que chaque personne, comme je dis, fait plus d'efforts. Fait que là, il peut avoir, genre, des cadeaux, de l'attention physique, si, ça, là, tous les langages, mais à long terme, tu le vois, là, vraiment, comme, ah, ok, mettons, Pat, lui, c'est quand même cuisine un bon repas, il me rend service avec des choses dans la maison, moi, j'aime ça entendre des « je t'aime », des affaires de même, mais lui, c'est pas son style naturel de l'exprimer, tu sais. Fait que pour moi, mettons, c'est pas un deal breaker, mais c'est comme plus de réalisations que j'ai fait comme récemment, on va dire, qu'à nos débuts, je sais pas comment exprimer. Aussi, tu sais, je sais qu'ils disent que c'est important d'avoir des projets en commun et tout ça, puis oui, je pense que c'est vrai. Tu sais, nous, pour l'instant, c'est la maison, les lits, c'est pas mal ça. Mais c'est pas mal tout ce que je peux dire pour l'instant, là. Je sais pas à quel point j'ai vraiment des conseils, puis que je suis une experte en la matière. Tout ce que je peux dire, c'est que les deux, on commence notre trentaine, puis je sais que c'est une période... qui peut être propice aux réflexions, aux changements. Tu sais, c'est un point tournant un peu dans une vie où on se compare avec les autres et tout ça. Je nous souhaite que ça continue de bien aller, mais c'est ça, c'est pas mal la limite de mes conseils. Il y a une autre question en lien avec ça, je l'ai déjà dit ça aussi, mais Juliana demande comment j'ai rencontré Pat justement. C'était au Café Campus d'amis communs. C'était l'époque que j'ai le plus sorti, là, comme dans les clubs, dans les bars. Puis ouais, c'est même qu'on s'est connus, mais on a été amis plusieurs mois là, avant de sortir ensemble parce que quand il m'a connue, j'étais avec mon ex, dans le fond, que ça allait plus bien. Mais c'est ça, on a été amis un bon bout de temps, chose qui m'a permis de voir sa personnalité, comment il était vraiment. Là. Puis j'ai bien aimé. Alors je me suis laissée prendre au jeu de l'amour une fois célibataire, pas très très longtemps après avoir été en couple avec mon ex, là, qu'on était comme un bon petit bout quand même ensemble. Mais bref, c'était pas prévu, mais on est sortis ensemble. Juliana me demande aussi, ouvrirais-tu une chaîne YouTube spéciale jardinage? J'ai reçu souvent cette question-là, puis je sais pas si c'est parce que vous avez de l'intérêt pour cette question. Puis je sais vraiment pas ce que je fais, là, comme je fais des tests, là, mais à date, c'est pas très beau. Là. J'ai pas grand-chose à vous montrer encore. Et non, parce que j'ai pas le temps. Déjà, les gens sont tout le temps comme quoi? T'as deux chaînes YouTube? Tu sais, les gens qui sont sur TikTok ou Instagram seulement sont comme... Pardon, t'as TikTok, Instagram x2, YouTube x2, plus 2 Facebook, genre ça va pas là, ça ne va pas, plus les contrats, plus les projets externes, genre faire des livres, des cahiers de jardinage, ça va même. Fait que non, surtout que tu sais au Québec on peut pas en faire à l'année, là, fait que non, je me concentre pas là-dessus. Il y avait même une autre question en lien avec ça que j'avais vu hier, que c'était genre si je me tanne, je la retrouve pas, mais c'était genre si je me tanne justement de faire de la beauté sur les médias sociaux, est-ce que je vais faire médias sociaux, mais juste plantes, juste jardinage, puis pour la même raison, tu sais, j'ai plein d'idées là, sur Jardin Rêvé, c'est pas les idées qui manquent, c'est vraiment le temps. Puis honnêtement, surtout cet été que je manque de temps pour le jardin et donc pour la création de contenu, honnêtement, je me suis demandé récemment si c'était une bonne idée, genre de... J'allais dire commercialiser, je gagne pas nécessairement d'argent avec ce compte-là, mais tu sais, de m'en occuper comme quotidiennement, ça me rajoute vraiment de la tâche, puis là, je manque de temps personnel après parce que je dois répondre à beaucoup de questions, puis j'aime ça répondre à vos questions jardinage, genre, j'aime vraiment ça aider pour vrai, mais effectivement, je suis pas payée pour faire ça. Ce compte-là, à la base, je l'ai fait, tu sais, parce que je voulais échanger avec d'autres mondes et tout, fait que je sais pas. Peut-être si je continue ma vie sur les médias sociaux, rendue plus vieille, puis là, à un moment donné, je me tanne du make-up, why not, mais... Pour l'instant, je me demande, c'est ça, est-ce que c'est bon que toutes mes passions finissent par être exploitées d'une certaine façon commerciale, là, t'sais, en faisant des médias sociaux? Je sais pas. Dirais-tu que tu prends de l'assurance professionnellement en vieillissant? Ben oui, c'est sûr, parce que crime, c'est ça, j'ai commencé genre à 19 ans, là, j'en avais pas de l'assurance. Là. Moi, à la base, j'étais une maquilleuse qui cherchait des contrats à Montréal, qui voulait vivre de ces contrats. Puis finalement, YouTube, ça a été comme, oups, une surprise.
ben je le faisais justement pour me donner un peu de visibilité aussi, mais ça m'a pas mené là du tout là, à être make-up freelance, c'était pas ça l'idée. Fait que je te dirais que oui, je prends de plus en plus confiance en moi en général. Pas à 100%, parce que comme vous avez vu dans mon dernier vlog, là, quand je suis allée à un podcast, faut qu'on en parle, là, j'en parle de long en large là-dedans. Beaucoup d'autres gens avant moi vont avoir confiance en moi. Je sais pas si ça fait du sens, mais les gens, des fois, m'accordent une certaine réputation, puis me le shoot là, de même, là, puis à joke, puis avec beaucoup de légèreté, mais de sérieux en même temps. Puis moi, quand je le prends, je suis tout le temps comme... Ah, tu sais, genre, je sais pas, ça sort pas de ma propre bouche. Quand je confie, mettons, des insécurités que j'ai avec d'autres gens de mon milieu qui ont commencé après moi, ils me voient tellement, je pense, comme une OG, une original YouTuber, une vieille de la veille qui a continué puis qui a fait ses marques, que c'est comme systématiquement pour eux, je suis pas remplaçable, je suis pas, tu sais, j'ai fait ma marque, je suis là pour rester, nanana. Ils ont vraiment plus confiance en moi que moi j'ai confiance en moi. C'est vraiment particulier. Mais c'est souvent ça. Les commentaires que j'ai, là, c'est vraiment souvent ça. Mais oui, pour répondre à la question, oui, je dirais que j'ai quand même plus confiance en moi, mais j'ai vraiment cette fâcheuse tendance à me dévaloriser quand même. Comme là, en ce moment, je pense que personne n'a posé la question, mais en ce moment, j'ai plus d'agence, hein, je me représente tout seul. Ça fait un mois en fait que j'ai quitté mon agence et je vous dirais qu'Audrey-Anne est un peu découragée de moi parce qu'elle voit passer mes courriels, puis quand il y a de la négociation à faire, disons que je tiens pas énormément mon bout. J'aimerais peut-être pas dire ça parce que là, s'il y a des clients qui entendent ça, ils vont en profiter là. Non mais sérieux, c'est nono. Mon thinking est comme à la baisse et non à la hausse, alors vraiment je sais que j'ai des problèmes à ce niveau-là. Mais j'étais comme ça aussi en étant maquilleuse, fait qu'est-ce que tu veux, je suis pas surprise. Vous voulez voir comment c'est tough, faire deux choses en même temps, ça c'est juste une sélection là, il y a un début de placement. Mais je vois mal à cause de mon affaire en dessous, fait qu'en tout cas je pense que je vais bouger ça, puis au pire j'irai là, un par un coller, puis après ça placer les autres, parce que à date tout ce que j'ai fait c'était genre juste une petite sélection, parce que là j'étais bien inspirée couleur d'automne et tout, fait que ça s'enligne vers ça. Est-ce que c'est venu naturellement le partage des tâches avec Audrey-Anne? Oui, ça a pas été trop long là, tu sais là ça fait plus qu'un an qu'on travaille ensemble, ça va faire... Ah, ça va-tu faire deux ans bientôt? Attendez, c'est automne, hiver, il me semble. En tout cas, ça va peut-être faire bientôt deux ans. Tiens, avant nous, je passe vite. Mais ouais, on a vraiment chacune, tu sais, nos forces, même si on se comprend très très bien, là, professionnellement parlant, je pense que c'est un match parfait, Audrey-Anne. Puis moi, c'est vraiment un très beau cadeau de la vie, je dois dire. Le fait, tu sais, qu'elle m'a approché, puis que moi, je me dis, ah oh, mon Dieu, je vais jamais trouver d'assistante, puis tout ça. Pas que j'avais cherché, là, mais c'était comme un souhait dans mon inconscient. Puis c'est ça, elle, il y a des choses qu'elle aime faire, genre les courriels, que moi, je me suis rendu compte en vieillissant, puis en cheminant professionnellement, que c'est vraiment pas mon affaire préférée. Comme là, étant pas représentée par personne, j'aimais quand même ça au début, tu sais, me dire « Ah, cool, je suis en contact direct avec les marques, chose que j'avais pas avant. » Puis je trouvais ça comme le fun d'échanger avec elle. Bon, finalement, je trouve aussi qu'il y a des points négatifs, mais ça donne bien parce que c'est ça, Audrey-Anne, elle aime ça les prendre. Fait que quand on se voit, c'est toujours maintenant la première chose qu'on fait parce que après on a des fois des réponses à nos courriels dans la journée, tu sais. Puis je me lance, je suis stressée. Sinon, mettons, souvent, on prend des photos ensemble, que ce soit pour un contrat ou juste pour le fun. On aime bien ça faire les petits outfits of the day dans les rues et c'est rendu tellement efficace dans ta affaire. Là, genre, je mets le linge dans l'auto, je sors et en genre 3 minutes top chrono, les photos sont prises. Ça va tellement bien maintenant. Fait que comme photographe aussi, elle fait la job. Sinon, ben juste pour le partage d'idées créatives aussi, c'est vraiment pratique d'avoir comme un avis secondaire, si vous voulez. Fait que ouais, overall, je vous dirais que maintenant, on est quand même setés là, dans, je pense, nos forces respectives puis tout ça. Puis moi, je sais plus maintenant à cause que je travaille avec quelqu'un vraiment les choses que j'aime pas. Chose aussi qui serait dure à reprendre si éventuellement on travaille plus ensemble. Ouais, t'sais, il va falloir que je refasse mes courriels, mais c'est juste parce que c'est comme plus administratif et moins créatif les courriels. Fait que si tu me donnes le choix, moi j'aime mieux faire du montage ou filmer quelque chose que faire ça, mettons. Mais on n'a pas le choix, puis ça fait vraiment partie de ma job. Puis je suis pas la fille qui répond le plus vite au monde, mais j'essaye, tu sais. Surtout quand c'est des opportunités, là, bien sûr, je fais pas trop attendre, mais reste que j'ai un bon lot de messages qui rentrent de partout. Et que c'est dur de plaire à tout le monde. C'est un peu ça. Bon, première fleur décollée. Est-ce que j'ai commencé déjà à planifier ma saison d'Halloween? Non. Je suis lente à chaque année pour ça. Je le fais jamais avant septembre, honnêtement. Septembre, octobre, c'est là que je suis comme dans le mood. Mais ouais, ça serait bon que je prépare plus d'avance. Couche tôt ou couche tard? Couche tard, lève tôt. Et les gens, des fois, sont comme quoi? Je suis jamais couchée avant minuit. Jamais, jamais. Je sais même pas si un jour ça va changer. Des fois, j'aimerais ça couler, là. Mais je me lève quand même à 7h, 7h30. Tout le temps. Même le week-end. Le monde sont comme quoi? Même le week-end? Ouais, Pat, puis moi, Pat, il est plus lève tôt que moi-même.
Qui sait, j'ai vu une question fucking drôle, mais c'est genre mon beau-frère. Là. Oh, le chum à ma soeur, il est tellement nono avec ses questions sur Lily. Il fait toujours la même question, mais là, je m'attendais pas à ça. Pourquoi Lily a une antenne? Elle a une moustache à la tête, puis il veut tout le temps y couper. Là. C'est juste une inside entre nous, mais en tout cas, c'est fucking drôle. Marie-Soleil, sinon, demande, comment arrives-tu à garder un équilibre avec tout le gros beau travail que tu fais? Merci beaucoup pour maman. Deuxièmement, malheureusement, j'ai pas une bonne réponse à te donner. J'ai pas d'équilibre de vie. J'en ai vraiment pas. Toujours eu de la misère avec ça. Par contre, genre, je suis sûre que sur mon blog, il y a des articles comme qui datent de 2015, là, que je chiale que ma vie est pas équilibrée. Ça a tout le temps été ça. Je sais pas. Là, faut vraiment que vous me disiez dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, mais dans ma tête, là, j'ai encore de la misère avec cette croyance-là. Mais je trouve que bien des gens dans la vie qui ont beaucoup de succès, et ça depuis un certain nombre de temps, j'ai l'impression qu'ils ont pas nécessairement des vies équilibrées. C'est-à-dire que le travail prend beaucoup de place parce que s'ils sont rendus là où ce qu'ils sont, dans ma tête, c'est parce qu'ils sont passionnés, puis ils ont bûché, puis ils le font encore. Genre, ils le sont et ils le font encore. Peut-être c'est ma perception. Puis j'en connais des gens qui ont quand même du succès, mais qui arrivent à déléguer. J'en connais pas énormément dans mon métier, je vous mentirai pas. Peut-être parce que j'en connais pas assez des gens qui délèguent ou parce que moi, je suis pas bonne pour faire ça, mais j'ai l'impression quand même souvent que c'est le cas, comme je dis encore là dans notre domaine, que c'est vraiment... on est occupé, puis le fait peut-être aussi que notre job se passe sur notre cellulaire, fait que tu sais, pour les gens, c'est relaxant, être sur le cellulaire, c'est divertissant, checker des stories sur Instagram et tout, mais nous non, genre, parce que c'est vraiment notre travail. Fait qu'il y a comme plus de limites souvent entre la vie professionnelle puis personnelle, puis ça c'est encore pire, je pense, dans des cas, mettons, je sais pas, d'une famille qui vlog, ou quand c'est les enfants, le chum qui est mis de l'avant aussi, parce que là, il y a plus de division nécessairement. À quoi, non, je te dirais qu'en ce moment, ça occupe beaucoup mes pensées, comment je devrais essayer de rééquilibrer tout ça, mais... comme je dis aussi, je suis dans une période de transition en ce moment, ayant plus d'agence. Pour combien de temps, je sais pas. Mais c'est comme si c'est ouais, l'occasion de me re-questionner, en fait, overall sur mon horaire, parce que je sais qu'il va rechanger prochainement. Fait que c'est ça, j'ai vraiment pas de truc à donner à ce niveau-là, parce que franchement, j'ai de la misère à prioriser autre chose que mon travail. Puis mon travail me rend heureuse la plupart du temps. Fait que tu sais, même quand les gens sont comme « Mais là, pense à ta santé mentale, fais-y ça, ça », je suis comme « c'est ça le problème ». Toutes mes passions deviennent un peu mélangées avec mon travail, tous mes passe-temps, c'est-à-dire, à part quand je fais genre de la lecture, là, je vloguerais pas, mettons que je lis, là. Mais c'est encore drôle, des fois je fais des clips de lecture puis je donne mon avis sur mes lectures, mais bon, c'est ça, je veux dire, tout se mélange, fait que c'est vraiment tough. Reste que, tu sais, je me considère choyée de faire ce job-là, qui est pas donné à tout le monde, puis surtout après autant de temps. Mais j'allais dire, ouais, mon objectif 2024, ça serait quand même de me booker genre une activité sportive, là, régulière, là, quelque chose de même, parce que sinon, je le fais pas. Si je le mets à mon agenda puis qu'il y a d'autres choses plus urgentes dans ma tête, plus importantes, je le fais pas. Je suis vraiment maudite de même, hein. Je sais que la santé, ça devrait être prioritaire, mais ça a de la misère à rentrer dans ma petite tête de linotte ou ma petite tête de bélier, je sais pas trop. Je sais tellement pas où je m'en vais. C'est cute, tu l'aimes, il me semble. Je vais aller checker les photos pour m'inspirer et en attendant, je vais chercher une autre question. Ok, donc je continue ici avec « Est-ce que ta chaîne de vlog te permet de gagner de l'argent? Sinon, continue, je t'adore, merci Elsa. » Oui, sauf que mon compte AdSense, ce qu'on appelle le compte publicitaire, si on veut, là, les pubs ben, qui jouent devant ou pendant mes vidéos, celui-ci est relié avec mon compte AdSense, dans le fond, de la chaîne principale. Fait que dans le fond, je reçois un paiement par mois, à la fin du mois pour le mois précédent. YouTube, c'est comme ça pour tout le monde. Puis ces deux montants-là, de la chaîne de vlog et de la chaîne beauté, se merge ensemble. Fait que je sais pas exactement combien je fais avec la chaîne de vlog. Je peux vous dire que c'est vraiment moins qu'avec ma chaîne principale pour toutes sortes de raisons, entre autres les vues qui sont plus basses. Mais c'est sont plus basses. Ils sont quasiment souvent la moitié là, de mes vues de la chaîne principale. Par contre, je sais pas si c'est vrai, mais moi, on m'avait déjà dit que dans une niche sur YouTube, ça va être plus payant. Je crois parce que justement, les sujets de mes vlogs sont variés. Vous allez avoir des annonces qui sont variées, tandis que sur ma chaîne principale, je parle de beauté. Fait que vous allez avoir tout le temps des pubs genre beauty related, normalement. L'algorithme des publicités, dans le fond, c'est un gros calcul. Hein? C'est pas. Si vous voyez des articles des fois sur le sujet, là, c'est assez incomplet, merci. Fait que, ouais, pour répondre à la question, oui, je reçois de l'argent, mais pas beaucoup. Fait que c'est pour ça les vlogs, tu sais, je me stresse moins aussi avec ça que ma chaîne principale. Peut-être un jour, si ma chaîne principale arrête, je vais être capable de faire plus de vlogs, mais je trouve que les vlogs, c'est vraiment un truc aussi d'état d'esprit, là, genre, si ça va bien, si j'ai de l'inspiration pour en faire, des idées pis tout. Fait que je suis moins présente ici, tu sais, j'essaye quand même, je pense que ma moyenne, c'est quand même 2-3 par mois. Comme maintenant sur ma chaîne principale, que c'est 3 par mois, en tout cas pour l'été. On verra si ça continue après, je sais pas. Mais ouais, bref, pour cette raison aussi, vu que j'en fais moins, ben, je gagne moins d'argent ici, mais j'en gagne quand même, inquiétez-vous pas. Ah, oh, t'es là. J'ai fait le saut, il y avait comme une onde dans la fenêtre. Bon, fait que je pense que je vais continuer tout ça et continuer les questions demain et vous montrer mon avancement de projet pour aujourd'hui. Mais je vais mettre genre de la musique puis tout, puis checker mes photos. C'est parce que là, je check vos questions en même temps, mais j'ai besoin de checker les photos pour m'inspirer un petit peu. Hello! Je suis en train de
train de vlogger des petits bricots. C'est juste que je suis genre vraiment plus vite pour répondre aux questions que faire mes bricolages. Fait qu'on est comme décalé. Ça s'en allait tantôt, mais là, je vous avoue, je suis quand même contente. C'est quand même legit, là. J'ai rajouté des petites feuilles d'or, je sais pas si vous allez bien les voir. Mais ouais, juste une petite touche comme qui se fond un peu avec. Ce genre là, ou dans le vide, des fois que j'ai des petits trous, juste faire un petit sparkle. Aimez-vous? Faites avec mes yeux aujourd'hui. J'étais dans une thématique automnale, ça a l'air. Puis ouais, le Mod Podge, il laisse un peu des résidus comme autour de où j'en ai mis. Ça paraît pas full, là, ça dépend de l'éclairage, mais je vais comme peut-être nettoyer avec un petit coton, tu sais, genre, puis de l'alcool. Juste pour le mettre tout cute. Mais après ça, ouais, je pourrais faire un trou, le suspendre, juste le laisser de même, ou que ça soit un cadre. C'est vrai, je pourrais le mettre dans un cadre. Ok, gang. J'ai le goût d'essayer le DIY des fleurs martelées, là. Je sais pas comment appeler ça. Ces mauves-là, d'après moi, ils ont assez de pigments pour que ça marche, les flux. On va essayer les ocarina. Oups, excuse-moi, mon dieu, il y avait un ton. Petite lobélie bleu flash aussi, ça serait cute. Ok, c'est parti. Fait que je mets une ocarina comme ça ici. Ben là, je sais pas trop, les gens font juste taper. Oh mon dieu, ça bouge. Non, 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 ça bouge. Hey, c'est pas bon. Oh, ok, full pigment, mais ça bouge ben trop. Ok, ça marchait un petit peu, on a lâché. Ok, attendez, j'ai un sac d'or, j'ai le goût d'essayer. Maintenant, je mets ça puis ça par-dessus pour le stabiliser. Là, je pense qu'on va l'avoir. Ah oui, 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 c'est sûr, ça arrête de bouger. Puis les doigts vont être en sécurité. Reveal. Oups. Oh, oh, oh. Oh my god, tu m'y es su, c'est donc bien beau. Oh, il est parfait celle-là. No way. Ok, les pensées, ça marche full, ben. Ici, un petit flux. Hop, ok, celle-là est un peu bavé, mais j'ai compris la technique. Yes! J'essaie de la tirer par le milieu sans que ça brise. Oh! Oh mon dieu, ça fout le bavé, je le vois déjà. Ah! Oh! Oh my god, ok, ouais, pas très précis non plus. Je suis contente d'avoir essayé ici avant sur un chandail, parce que ça fait vraiment un effet comme quasiment tie-dye, là, genre un peu parfait. Pas parfait comme premier test, là. Mais je pense que je vais pouvoir découper cette section-là, m'en servir ça pour une carte ou juste je sais pas quoi. Puis je vais essayer de le sauver en traçant autour, tu sais, essayer de recréer un peu les formes. On va essayer. Coucou tout le monde! Donc ce matin, j'avais envie de faire un petit peu de popote, deux recettes un peu style collation, déjeuner et tout. Ah oui, puis je viens de me voir dans le retour d'écran, j'avais pas adressé ici encore cette immensité dans mon front. Je me suis fait piquer hier parce qu'à chaque fois que je vais dans la course ces temps-ci, je me fais piquer en dedans de 5 secondes. Puis là, ben, quand je suis rentrée, c'était tout petit, j'ai gratté un tout petit peu puis c'est rendu là, méga enflé. C'était pire hier évidemment, là, mais en tout cas. Fait quoi, j'avais envie de commencer par refaire le granola de la cuisine de Jean-Philippe, son premier livre, parce que c'est le meilleur que j'ai fait de ma vie, là, tout simplement. Puis c'est tellement bon, soit seul, même en grignotant de même, dans des yogourts, dans genre tout. Ah, je les ai. C'est granola aux arachides et chocolat. Gars, je suis fine. Je vous mets toute la recette si vous voulez faire un screenshot. Pour vrai, c'est trop bon, trop facile. Et je gardais patiemment mes gruaux, ben mon reste de gruaux pour ça. Ça prend 2 tasses et demie de ça. Fait que je vais peut-être essayer de doubler si je suis capable. J'ai-tu 5 tasses? Je suis pas sûre. Anyway, il faut que je préchauffe le four à 350. Ok,
la deuxième recette que je vais essayer, j'ai vu ça hier d'Alexandre Rivard. C'est des Crunch Bites avec 4 ingrédients. Fait que ça prend 2 tasses de Rice Krispies, puis ça tombe bien, j'en avais plein à passer. 3 quarts de tasse de miel, 3 quarts de tasse de beurre d'arachide, un scoop de protéines, juste la pâtisserie. Tu les mets au congélo pour qu'ils refroidissent un peu, qu'ils se tiennent, puis après ça, tu les enrobes dans le chocolat, puis tu peux mettre des petites noix. Fait que ça va ça. On essaie! Je sais pas si j'ai technique. On dirait que mon chocolat est trop épais. Yep, là. Mais moi, ça me dérange pas que tu sois toute couverte de chocolat. Là. Ça goûtait déjà en masse sucrée, honnêtement. Oh non, ils sont peut-être pas assez gelés, mes affaires. Ça fait comme 15 minutes qu'ils sont dans les... Puis ils sont comme en train de se déformer. J'ai mangé de la soupe au dîner. Là, j'ai le nez en feu. Je vais vous montrer ce que je faisais juste avant pendant que je rechargeais ma batterie. Je me suis lancée dans le projet Tote Bag. Je sais pas à quel point ça va aller. En tout cas, je peux vous dire, je vais pas tout le recouvrir parce que ça va être bien trop long. Puis surtout, c'est que c'est mou, là. Tu sais, contrairement au truc, là, justement, quand tu fais, comment on a dit, un cerceau. En tout cas, c'est mou. Fait que je me dis, dans le haut, comme ça, je suis capable de tenir un peu. Fait que, ouais, je vais faire encore, là, des petites fleurs. Ça aurait été que des DIY de fleurs, écoutez, dans ce vlog-là. Mais j'avais comme envie de continuer un petit peu juste avant un appel que j'ai bientôt. Puis, ben, faut que je fasse la paperasse, là, genre, de la comptabilité, des affaires de même. Puis, c'est vrai aussi, tantôt, j'ai un rendez-vous avec Atelier Dansereau. Fait qu'évidemment, je vais vous emmener avec moi. Donc je poursuis avec vos questions pendant que je fais une autre fleur. Première question ici de Dahlia, t'as déjà pensé faire des podcasts? J'aimais bien tes vlogs psycho. J'en fais encore à l'occasion, mais tu sais, on dirait qu'il faut que je vive de quoi de spécial là, pour vous en parler. Là, je sais qu'on, je me rappelle en tout cas une des dernières fois, c'est qu'on avait parlé d'images corporelles ensemble dans la pandémie, puis ça avait été vraiment fructueux comme échange entre vous et moi. Sinon, c'est vrai que j'ai peut-être pas parlé de grand-chose de deep là, récemment. Pour répondre à la question, oui, à cause de la mode des podcasts, tu te dis, écoutons, faut que je m'en partage moi aussi, c'est-tu l'avenir, blablabla. Moi-même, j'écoute beaucoup de podcasts, j'aime ça. Par contre, j'ai aucune idée sur quoi serait mon podcast et avec qui je le ferais, t'sais. Fait que si, mettons, je trouve une idée là, de génie ou que j'ai une offre en or, peut-être, mais pour l'instant, je veux dire, j'ai pas assez de temps dans mon horaire, ça c'est certain, pour un énième projet comme ça, là, qui serait comme plus à long terme puis qui serait récurrent dans mon horaire. Fait que c'est pas mal ça ma réponse, je te dirais, là. Il y a full de questions, où te vois-tu dans 5 ans, où te vois-tu dans 10 ans, mais moi je suis incapable de me projeter, gang. Genre, vraiment, je trouve la vie, c'est genre plein de surprises. Puis j'ai jamais fait ça, là. Comme même enfant, les gens qui étaient comme « Ah, moi, à 20 ans, je veux être mariée. À 25 ans, je veux des bébés. » J'étais genre même pas capable, jeune, de faire l'exercice. Fait que je suis pas plus capable à l'âge adulte. Fait que je pense que j'ai appris à vivre au moment présent. Fait que c'est plus des choses qui me tracassent, là. Mettons, l'avenir, puis... Ben oui, un peu, là, comme tout le monde, mais je me fais pas des plans de vie, c'est ça, je veux dire. Pas vraiment. Dans les questions YouTube ici, j'ai Chloé qui me demande comment ça va, comment j'ai trouvé mon été, puis est-ce que je me sens d'attaque pour la rentrée. Ben, je vous avoue que tantôt, j'ai failli faire une syncope, là, quand j'ai vu qu'il... Oups, je suis pas partie du bon bord. Parce que là, on avait comme 5 jours qu'il annonçait pas de pluie cette semaine, puis il pleuvait un matin, puis j'étais genre, tabarnak, j'ai sacré, là. Vraiment, ça commence à jouer sur mon moral. J'ai vraiment l'impression qu'il y a plu, genre, chaque 2 jours cet été au Québec. Puis c'est vraiment gossant pour plein de raisons, là. Fait quoi, je sens que j'ai vraiment moins profité de mon été. Tu sais, pas au sens que, genre, j'ai fait des activités, j'ai vu en masse les gens que j'aime, tout ça, ça c'est cool. Mais plus au sens genre météo, là, tu sais, l'autre fois j'ai réalisé que pas une fois dans l'été j'étais allée sur ma chaise longue me faire bronzer entre guillemets, si je fais jamais que ça, là, mais tu sais, genre lire un livre, faire du ménage de photos dans mon sel, j'aime ça faire ça en étant étendu puis quand il fait beau puis tout. Ou juste me baigner, là, ça doit être une année record qu'on s'est pas baigné aussi à cause de ça. Je trouve ça quand même plate. Côté jardinage aussi, ça n'a pas été la meilleure année. C'était quand même difficile, mais c'est moi qui s'est mis beaucoup de travail puis beaucoup de pression aussi. C'est tellement relaxant, ben oui, faire ça, là. On dirait que je pourrais vous parler comme ça, comme si j'étais en live avec vous, genre pendant des heures. Puis si vous m'écoutez justement comme un podcast, by the way, good for you, parce que c'est vraiment un vlog blabla. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir des nouveaux défis, là, pour moi dans les prochains mois. Je parle vraiment surtout côté horaire, organisation, créativité. Fait que c'est un peu ça. Je suis comme fébrile. En même temps, un peu stressée, tu sais, parce que c'est des changements, c'est de la nouveauté, puis c'est pas si souvent que ça arrive. Je me rappelle l'année passée, je trouvais que j'avais pas beaucoup de contrôle l'été, tu sais, par rapport au reste de l'année, mon rythme, là, est vraiment moindre. Genre, si je vais voir juste, mettons, mes reels, fait longtemps qu'il n'y en a pas eu un sponsor, là, comme c'est vraiment plus calme pour moi l'été. Sauf l'été passé, justement, j'essayais de faire la paix avec ça, puis de me dire, ben là, faut que je profite plus de ma cause, justement, faire des tâches, tu sais, me reposer, tout ça. Mais cette année, c'est comme si ça arrête jamais, genre, il y a tout en même temps.
je n'ai plus ces temps-là de repos puis de moindrement profiter du fait que je travaillerais moins. Tu sais, j'ai même réduit mes vidéos à 3 par mois sur ma chaîne principale, puis on dirait que je le ressens pas. Je sais pas, il y a trop d'affaires. Vous me direz si vous êtes en maison aussi, si vous trouvez que l'été c'est vraiment overwhelming ou juste avoir une maison en tout cas, parce que c'est quand même un des côtés négatifs d'avoir une maison, c'est qu'il y a beaucoup d'entretien qui vient avec ça. Que vous ayez une maison neuve ou vieille, j'ai l'impression, parce qu'il peut toujours avoir, tu sais, surtout des vis cachées là, avec la pandémie pis tout. Fait que je veux juste savoir, vous, dans les commentaires, est-ce que vous trouvez qu'une maison, des fois, c'est comme, c'est beaucoup là, pour deux personnes à gérer. Imaginez si vous avez une famille en plus, genre, je comprends même pas là. Tu sais, comme là, on a plein de trucs qu'il faut réparer, mettons, nous-mêmes, mais c'est projet après projet. Puis tu sais, la semaine, t'as à peine le temps de faire genre tes petites tâches du quotidien, que c'est ça, la vie va vite là. Genre là, j'en reviens pas, on est comme le 16 août, je suis comme quoi? On est déjà à la moitié du mois d'août. Je trouve que ça passe très vite en ce moment. Et je sais pas si vous voyez, en tout cas, ma petite fleur ronde turquoise, vraiment cute à date, je l'aime bien. Je fais pas de technique en particulier, j'ai eu un mini cours une fois de broderie dans un événement, puis c'est pas mal tout là, le reste j'improvise. Je vais aller chercher une dernière question. De nouvelles vidéos tri decluttering sont-elles prévues, Mel Xmas? Et pas vraiment, à part le sous-sol. Le sous-sol, on a plein de choses là qu'il faut ranger, organiser, vendre sur Kijiji, en prévision justement des rénaux du sol qui sont censés commencer cet automne. Ben oui, ça aussi, ça me rend un peu fébrile là, ça fait beaucoup de choses qui vont venir en même temps, tu sais, mes rentrées sont tout le temps chargées. Dans le fond, c'est juste l'été, puis en novembre, puis en janvier, non, janvier, l'été, c'est là que c'est le plus calme pour moi, côté job, contrat, tout ça, mais là, je suis un peu fébrile parce qu'il va y avoir les rénaux en plus cette année. Il reste deux mini-questions ici que je peux répondre rapidement pendant que je termine, tchoup, ma petite fleur. Est-ce que j'ai d'autres tâches de vitiligo? Non, ben, depuis que je vous en ai parlé, ça fait un petit bout, la tâche principale qui a émergé en premier dans mon cou, il y a comme deux mini, là, tout petites à côté, que je vois là maintenant que je suis plus bronzée, mettons, l'été. Sinon, non, c'est ça, la dernière qui est apparue est ici sur ma mâchoire, puis là, elle se voit moins. Puis j'ai celle dans mon dos, mais c'est tout pour l'instant. Écoutez, c'est vraiment dur de mettre le doigt sur qu'est-ce qui cause le vitiligo, fait que pour l'instant, c'est, I guess que c'est stable, mais j'ai pas retesté aucun traitement ou quoi que ce soit. Genre, la place que j'étais allée, la clinique, là, le dermatologue a changé de place, puis on a comme perdu contact, fait qu'il m'avait dit, tu sais, il y avait une crème super prometteuse qui s'en venait pour ça, mais je sais pas c'est quoi, je sais plus. Fait que pour l'instant, c'est juste sur le neutre. Ah, la dernière question, c'est est-ce que ma chaîne de vlog me permet de gagner de l'argent? Même ça, j'ai répondu ça hier, non? Oui, je vous ai expliqué AdSense pis tout comment ça marche. Bon, mais j'ai fini vos questions. Les autres, c'est celles qui reviennent comme vraiment souvent, là, que j'ai déjà répondu. Fait que merci d'avoir participé. Fait que je vais mettre ça de côté, même si j'ai vraiment le goût de continuer, parce que c'est vraiment relaxant. Je vais aller faire cette mes jobines de comptabilité, mes obligations. Et s'il me reste du temps tantôt, ben j'aimerais ça soit continuer ça ou faire le dernier petit DIY. Si j'ai pas le temps, ça sera à soir aussi en revenant de notre rendez-vous chez Atelier Danseau qui est à 4h30. Mais ouais, le dernier DIY que je voulais faire, c'est de l'argile, je sais pas trop là, comment il appelle ça. En tout cas, ça a un fini céramique. J'ai acheté ça genre à 4$ en spécial au dessert, ça va l'air vraiment cool. Fait que stay tuned si vous voulez voir. Coucou, il est rendu full tard, il est 10h30. No joke. Ça a bien été la rencontre avec Dansero. C'est tellement beau que ce qu'ils nous ont montré. Je m'attendais même pas à ça. J'ai déjà eu des plans 3D qu'on appelle, mais c'était pas le même logiciel clairement parce que là c'était tellement réaliste, j'étais comme what? Ceci peut être le seul, je capotais. Sauf que notre rencontre a duré 45 minutes, j'ai vlogué pendant 45 minutes. Fait que je vais voir au montage qu'est-ce que je fais, mais si vous êtes down, je pourrais peut-être mettre ça dans le prochain vlog, comme laisser plus de bouts dans le fond, puis là vous faire un petit teaser un peu pour vous garder en haleine. Mais je vous ferai pas attendre trop longtemps, c'est juste que, tu sais, plus le vlog que je viens de faire là, ça va être trop long, je pense. Bref, là, je sais pas si j'étais assez folle à ce soir-là pour commencer ce projet-là, parce que c'est le dernier que je voulais faire, puis j'ai pas vraiment le temps de vlogger dans les prochains jours. Tu sais, j'avais déjà essayé avec vous, là, puis mes fleurs séchées, je vais vous mettre un extrait de faire genre des petits jewelry dish ou je sais pas trop. Puis quand j'avais mis genre une espèce de vernis par-dessus, ça décollait, ça adhérait pas à l'argile. Fait que si ça sèche, genre glazé, céramique, ça serait tellement beau, mais je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, c'était 7$, fait que j'avais le goût de l'essayer. Dernière chose que je voulais faire avec vous, à part le petit DIY, c'était de goûter aux petites boules de Alexandre. Quand il a dit que c'était bon tantôt. Je les ai laissées congeler, je sais pas s'il fallait, là, mais je vais goûter de même. Ah! Un peu plus dur à manger, mais c'est vraiment bon. Check en dedans. On dirait des truffes un peu santé, là. Là, je dis ça juste parce qu'il y a des protéines. Ouais, on dirait des Reese d'entraînement. Elle goûte meilleur que ben des boules d'énergie que j'ai déjà testées. Fait que let's go! C'est vraiment pas comme la pâte à modeler. Ah, c'est rien. Je vais checker les vidéos là. Ok.
aussi de faire le quiz. Shit, je suis en train de me dire, je voulais faire comme la vidéo l'autre fois, là. En tout cas, presser des trucs, puis après ça, tu peintures avec, parce que je peux pas la faire cuire avec de la peinture ou des matériaux dedans, là, genre mettre tout de suite mes petites fleurs, fait que je suis comme bien embêtée. C'est comme pas assez sensible, on dirait, quand je fais des pressions avec les fleurs, ça marque pas assez, contrairement à de l'argile normale. À moins que je fasse genre juste une petite assiette funky, là, tu sais, genre. J'aime ça, des vaisselles imparfaites. Peut-être ça va être cool. Que ça donne. Oh, ça fait plus brillant. Pourquoi il disait que ça ferait brillant? Non, ça pue. Ok. On dirait de la pâte Fimo. Pourquoi il appelait ça Serra? Je sais pas quoi. Oh, je suis full déçue. Ça reste mou, voyez-vous? Bon, Lily, elle veut que j'aille la faire jouer, fait que je vous revois à Guess demain ou après-demain. Je vous reviens pour la conclusion du vlog, vous montrer les résultats de toutes mes petites villes. Coucou! Fait qu'on est quelques jours plus tard, je voulais juste conclure le vlog puis vous montrer dans le fond où étaient rendues mes petites œuvres entre gros guillemets. Fait que le premier petit DIY que j'ai conclu, je l'ai mis dans un beau petit cadre comme ça. Fait qu'on voit vraiment, fait que ça fait comme un petit effet vitrail. Très cute, c'est un petit cadre que j'avais pogné genre au Village des Valeurs. Fait que vous me direz votre préféré, ok? Fait que lui, qui fait très automne, je vais sûrement le mettre dans mes petites décos d'automne bientôt. Je sais pas où le mettre en fait, là, j'ai trop de déco. Mais pour le sac sinon, la broderie ça a donné ça. J'en ai fait dans chaque coin, des petites fleurs. Il y en a qui sont pas très belles, il y en a que j'ai manqué de fil de couleur aussi. Fait que c'est pour ça que ça donne ça. Mais je le trouve quand même plus cute comme ça que juste un sac beige neutre. On s'entend, mais sûrement que ça serait le genre de projet que je reprendrais à un moment donné. T'sais, tu peux comme tout le temps le continuer. C'est jamais fini. C'est ça qui est le fun. C'est juste vraiment dur par contre d'en faire, je trouve, sans pattern en dessous. Là, parce qu'il y en a que tu peux mettre comme un... C'est comme une feuille en fait qui se dissout dans l'eau. Puis là, tu peux coudre par-dessus. Là, moi, j'étais allée vraiment... au pif, là, avec aucune expérience de, tu sais, genre, je fais ce que je pense, mais j'ai aucune technique, aucune. Mais je suis quand même contente, c'est pas laid. De toute façon, c'était tout pour le fun. Aussi, le test, le... comment il appelle ça, l'espèce d'argile céramique, machin, ça a vraiment pas fait un fini céramique brillant comme j'aurais pensé. Ça sèche plastique, là. C'est vraiment solide, par contre, fait que c'est fun pour, genre, créer des objets, n'importe quoi. Ça, c'était censé être une assiette, ça a fini en ring dish, ok? J'en ai même pas besoin, je le veux pas, là. On va le donner à quelqu'un, n'importe qui le veut, un enfant, je sais pas. Ça j'aime bien par contre, ça faisait plus un effet de... un peu en transparence, tu sais, avec la petite fleur pressée, puis juste le mode botch par-dessus, ça a super bien figé. J'ai fait ma petite bordure dorée, on dirait une affaire comme... tu sais, que tu mets sur une lettre, là, genre un stamp. Ça me donne des idées, tu sais, faire des petits trucs de même, ou tu sais, des ornements, même pour le sapin, on pourrait faire, vu que ça se peinture, qu'on peut recouvrir, tu fais un trou, tu l'accroches, je sais pas. Fait que vous me direz, c'est quoi votre affaire préférée? Il me reste un truc à vous montrer, et c'est ça ici qui va me servir comme background de, ben, tu sais, que je vais coller sur un carton genre pour faire une carte, mettons. Ça va faire un petit effet 3D. Je peux même y mettre, là, j'ai des affaires 3D, comme ça s'appelle. Ces affaires-là, là, je sais pas comment t'appelles ça. C'est comme une petite mousse collante, là, tu sais. Fait que je pense que ça pourrait être cool. Fait que franchement, ça m'a donné des idées, ça m'a donné confiance pour d'autres éventuels projets. Vous me direz c'est quoi votre affaire préférée, si ça vous a inspiré vous autres aussi. Puis sinon, ben tant pis, hein, vous aurez juste appris à mieux me connaître. Mais voilà, fait qu'hésitez pas si vous avez plus des questions dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir été là tout le monde, je l'apprécie comme toujours. Et j'ai hâte de vous lire, surtout! Fait que gros bisous, et je vous dis à bientôt! Ciao!